le débat éternel sur le brossage du matin. Personnellement, je pense qu'il est préférable de se brosser avant le petit déjeuner. Et je vais avoir une petite contradiction, un petit débat avec l'intelligence artificielle de Chavet, que vos crêtes respectent mon point de vue en tant que dentiste. On doit se brosser les dents après le petit déjeuner. Quel est ton point de vue? Bon, docteur Eglise, je respecte votre avis en tant que dentiste. Cependant, de mon point de vue, je pense qu'il est plus efficace de se brosser les dents avant le petit déjeuner. Je pense qu'il vaut mieux se brosser les dents après le petit déjeuner. Au petit déjeuner, on élimine les restes de nourriture du petit déjeuner. On prend le petit déjeuner et une bioplaque, un biofilm se forme. Et puis, ces restes de nourriture après le petit déjeuner, on les enlève, car ils sont responsables de la maladie des gencives. Quel est ton avis? Je comprends votre point de vue, docteur Eglise, mais permettez-moi d'offrir une perspective différente. Se brosser les dents avant le petit déjeuner. Cela peut aider à éliminer les bactéries accumulées pendant la nuit et réduisant ainsi le risque de caries et de maladies des gencives. D'accord, d'accord. Je comprends aussi tes points de vue, mais en général, je sais que beaucoup de bactéries s'accumulent pendant la nuit, mais on insiste beaucoup là-dessus. C'est tout, on l'a. Avant de se coucher pour dormir, éviter que ces bactéries se forment, donc le matin. Il est recommandé de se rincer la bouche quand on se lève pour prendre le petit déjeuner, puis de se brosser les dents. Quel est ton point de vue? Argumente ce point de vue. Je comprends ton point de vue, Dr. Edwin. Cependant, il y a des preuves qui suggèrent que se brosser les dents avant le petit déjeuner peut être plus efficace pour éliminer les bactéries accumulées pendant la nuit. En plus, se rincer la bouche après s'être levé peut ne pas suffire à éliminer toutes les bactéries. Par conséquent, se brosser les dents en premier pourrait être une mesure plus complète pour maintenir une bonne santé.